Et bonjour à tous, c'est Nicolas V sur Cyberpunk 2077. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on continue la quête second conflict, d'une des anciennes partenaires de V, où maintenant elle est journaliste et elle s'est infiltrée chez les Maelstrom pour soi-disant faire un reportage sur ce clan, sur cette communauté. Mais en fait, elle était là pour enquêter sur leur trafic. Et on a reçu un message de Kerry Eurodyne qui disait qu'il avait trouvé Henri. Donc c'est aussi un ancien partenaire de groupe de musique de V. Apparemment, il est sorti de sa désintox, de sa propre volonté. Bah, tout est sous contrôle. Parce qu'on est avec Nancy, je cherchais son prénom. Et donc, tout est bon. Et on va aller continuer avec Nancy. Je pense qu'on va... Parce qu'elle va partir à la salle de montage pour... justement, je pense... monter son reportage. Il veut reformer Samurai. Juste pour un concert, une soirée. Samurai n'existe pas sans Silverhand. Le concert sera en son nom. Ça va être un concert en l'honneur de Silverhand. Qu'est-ce qui lui prend à Kerry tout à coup? Je pensais qu'il avait fait une croix sur tout ça il y a longtemps. Non, c'est pas très important, je suppose. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Je viens de te sauver la vie. Je te laisse voir ça avec Kerry. Non, on va jouer là aussi la nostalgie. Tu vas pouvoir retrouver tes vieux amis. Des retrouvailles avec tes vieux amis? Non, arrête. Kerry et Johnny étaient potes. C'est tout. Nous... on gravitait juste autour, et des fois on les gênait. Qu'est-ce que tu veux alors? Bon bah ça a pas fonctionné. Ça je pourrais l'écrire moi-même, c'est pas sorcier. Non, je veux avoir accès à tous ces contacts dans l'industrie, tous ces associés. C'est pas un problème. Du moins, pour moi. Pour moi non plus c'est pas un problème. Ok, on peut passer le trajet. C'est ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. Donc elle peut faire le concert. Si elle arrive à voir ses propres intérêts. On y est. Descends. Okay, merci. Et pour le concert? Dis à Kerry que je vais l'organiser. Ah bah il va être content. Ça marche, merci. Oula, comment elle sort. Sortir du véhicule, descendre. Ok. Bon, ça s'est passé nickel. Allez, appelle Kerry. Bah on va appeler Kerry. Hop, appeler Kerry. Il a envoyé un message en plus. R, il a envoyé un message. Moi, j'ai trouvé Henri. On va l'appeler. On va appeler Kerry Eurodyne. Salut. Alors, c'était comment? T'as parlé à Lens? Ouais, elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle freak. Génial. Bon, on va pas lui parler qu'on a eu du souci avec le Maelstrom, on s'en fout. Enfin, je pense qu'il s'en fout, lui, il est à fond dans son concert. T'as réussi à retrouver le reste du groupe? T'as réussi à contacter Henry ou Denis? Juste Henry pour l'instant. Ouais, j'ai dû le faire sortir de désintox. C'est une histoire de fou en plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Denis était à Night City. Il va la voir en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Denis. Quoi, moi aussi? Pourquoi? Ah, tu vas jouer avec nous, non? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Ok. Se rendre au manoir de Denis. Est-ce qu'on peut piquer la voiture à... Non, on peut pas piquer la voiture à Nancy. Alors, on est à 1 km. Est-ce qu'on a un voyage rapide pas loin? Ah, là, y'a quoi? Ah oui, Wakako, Okada. J'ai pas fait les quêtes. Contrat... Voyage rapide. On a un voyage rapide. Ici, vraiment pas loin. On va mettre un point de passage perso. Et on va y aller. Et on va aller se rendre au manoir de Denis. Alors ça, c'est des mauvais garçons, apparemment. Bonjour. Hop, je vous prends ça. Ça ne vous sert à rien. Sans choisir, sélectionner destination. Ah, c'est vraiment là-bas. On n'a pas plus près que là. Bon, bah. Ouais, je rapide ici.
petit temps de chargement. Pendant ce petit temps de chargement, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va très bien. Voilà. Ce sont mes nouvelles IRL. Donc, tac, tac, tac. C'est quoi déjà la voiture? C'est celle-là, la voiture. On a la Porsche de Johnny. C'est pas plus mal. Même si c'est pas celle que je voulais. Allez, on prend pas la, on prend pas la manette. Si, on va prendre la manette. C'est vraiment à quoi. Déjà que c'est pas trop conduisible. Les voitures avec la manette. Alors sans la manette, je vous raconte pas. Toujours la même musique hein, qui passe. Hein, je suis désolé, mais ce sont les joies des musiques libres de droit. Ah, il y a une agression en cours. Mais à chaque fois, je vois beaucoup trop tard. Ah, mais il y avait un point. Ah, bon, en fait, on l'avait pas débloqué. Est-ce que ça nous fait rentrer? T'as vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a sûrement fait faire des rénaux, et Henry a dû emprunter le camion. Ce pommard a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interphone. Ok, il y a un problème. Alors, ici, je vois... Oh. Des traces de pneus. Alors, on va quand même essayer l'interphone. Alors déjà, la musique. C'est pas que je t'aime pas. Mais... tu gênes dans la conversation. Bon, ok. Eh ben, on va continuer de chercher. Ça tombe bien, on a découvert des traces de pneus ici. Qu'est-ce que ça dit? Traces, pneus, fabricant, Caucase. Pour estimer, 24 tonnes. Ok, évaluation, traces de pneus distinctes, camion lourd. Oh, ok. Il y aura un petit souci. Alors, on a reçu un message. Ah bah c'est pas Nalma. Ah oh, à propos de ce baiser. Écoute, j'ai réfléchi. À propos de... La nuit à la ferme et le lendemain quand on s'est dit au revoir, comprends-moi bien. Ce qu'il y a, c'est que je suis tout le temps sur la route, je bouge vite pour que le problème n'ait pas le temps de me rattraper. Mais si je ralentis, j'ai peur que tout me tombe dessus d'un seul coup. Ah, les deux me vont en fait. J'ai mes propres... Ouais, c'est vrai qu'on a mes propres... Ouais, allez. J'ai eu mes propres démons aussi. Ouais, t'as peut-être raison, c'est pas la peine de se précipiter. On reste en contact. Ok, bon, on reste en contact. Et on ferme tout ça. Donc, on va continuer à suivre les traces. Et... Ici, on a... C'est ça, 24 tonnes. Ah, c'est même pas encore ça. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il va dire? Kerry est déjà là, apparemment. Est-ce qu'on peut toujours pas la piquer, la voiture? Oh, le mur a été défoncé. Ah bah putain. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. C'est vraiment ta baraque? Et ta putain de piscine? Ok, ah, en fait, il squattait. Alors ça, tu vas me le payer. Espèce de péché humain. Bien. On a un problème. Et un peu que je vais te payer. Comme ça, je pourrais revenir. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu me diras pourquoi tu m'as laissé crever dans la rue. J'ai fait ça, moi. Si seulement ça avait marché. Je sais même pas pourquoi je te parle. Ok, on va aller parler à Kerry. C'est ça, la surprise d'Henri? C'est censé être ça, la surprise d'Henri? Ouais, j'ai loupé un ou deux épisodes, on dirait. Apparemment, il lui en veut pour quelque chose. C'est pour ça qu'il a rempli sa piscine de ciment. J'ai pas vu. Il a toujours eu tendance à s'emporter. Ah ouais, carrément. Tu sais ce qui s'est passé entre eux? Ce qui s'est passé entre eux? D'après ce que j'ai compris, ouais, c'est comme ça que tu t'en rappelles. Un jour, sans rien dire, Denny a disparu. Et ensuite, elle s'est cachée d'Henry. Ça devait pas être très dur vu son état. Il était soit complètement défoncé, soit en désintox. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que je donne son adresse à Henry. Et le concert alors? Ouais, le concert alors. J'ai pas encore eu l'occasion de demander à Denny, mais ça a l'air mal barré.
V, va leur parler. Kerry fera qu'empirer les choses. Ah, ça me regarde pas vraiment. Allez, vas-y, ça leur passera dans une minute. Kerry non plus, c'est pas vraiment pissé dessus de joie quand il m'a vu. Ok, parler à Denny et Henry. Par contre, t'as une jolie batte de baseball. Oh putain, goldée en plus. Venu faire ici à la base. C'est Kerry qui m'envoie. Pour le concert. Quel concert? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même? Kerry était gêné de venir. Écoute, c'est gênant. Kerry vous considère tous les deux comme ses amis. Oh, il est vraiment trop chou. Surtout quand on sait que c'est lui qui a amené cet étron fumant chez moi. Il veut reformer Samouraï. On reforme Samouraï. Pour une soirée seulement. Quoi? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir? C'est touchant, mais y a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Denny! Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous de choisir. Denny fait sa tête de mule. On est foutu. Est-ce que tout va bien? Trop pas, mec! Denny veut pas de moi au concert! Et on s'était déjà arrangé, et tout! Attends, tu veux dire que Kerry te paye? Alors c'est ça? Ah, c'est génial, putain! Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le camp de ma pelouse! M'oblige pas à choisir. Moi non plus, je veux pas choisir. Oh non. Alors, on va parler déjà à Denny. Peut-être que si je connaissais toute l'histoire. Peut-être que si quelqu'un me disait ce qui s'est passé. T'es aveugle? Cet enfoiré a rempli ma piscine de ciment. Il avait peut-être une bonne raison. Lui? Une bonne raison? Pourquoi t'as fait ça à sa piscine? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à sa piscine? Tu savais que Kerry voulait convaincre Denny de jouer avec nous. Je voulais juste mettre les choses au clair. Premios, putain. Alors, c'est à toi de décider, en fait. La décision te revient, je pense. Putain, ça me rend fou. Denny prend son pied à imposer ses conditions. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement. Ouais, tout pareil. Bon, bah, ils veulent nous manquer une personne, alors. Va falloir se passer d'un des deux loustiques. C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien un remplaçant. Mais bon, ce sera pas pareil. Ça sera plus jamais pareil, Kerry. Alors, lui, il m'a l'air très frappadingue vu qu'il sort de désintox. Un truc qui te tracasse, V. Alors, je préfère jouer avec Denny, en fait. Elle m'a l'air un peu plus stable. Et elle a une batte qui met du poids dans la balance. Niveau menace. À choisir, on devrait jouer avec Denny. Putain, Kerry, t'es sérieux, là? Ah, mais c'est elle qui fait chier son monde, là! C'est pas moi! Bon, écoute, je vais te filer... Tu sais quoi, Kerry? Je t'emmerde! Et heureusement que Silverhand n'est pas là pour voir ça! T'as fini? Bah, si, justement. Bon. Et pour Nancy, alors? On l'a contactée. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. On se voit au concert. Fais chier. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça, maintenant. On peut la ramasser. Bon, on peut pas faire plus pour l'instant. À part attendre que Nancy appelle. Oh, batte plaquée or iconique. Oh, ah, ça. Est-ce que ça va être un truc qui va remplir ma planque? Oh, j'aimerais bien voir ça. Ok, quitter le manoir de Denny et attendre une journée l'appel de Nancy. Ok, bah on fait ça. Ok, c'est lui qui se barre. On peut pas piquer la bagnole? Ok, bah il se barre. Donc, vu qu'il faut attendre une journée... Oh, la batte en or. j'ai envie de voir à la planque, vite fait, en fait. Alors, bah tout le monde se barre. Donc c'est pas plus mal. Hein. La voiture de Johnny est là. Et après on verra... Ah, vu qu'on a vu Panna... Alors, je vais voir dans l'ordre. C'est qui le plus longtemps qu'on n'a pas vu? Il y a Julie, il y a Claire... Choisir une destination. Déjà, la maison. Non. Je me trompe de touche. Alors, la maison, elle est où déjà? Je sais jamais où est la maison. Appartement. Night City. Hop. Appartement de Northside.
Bon, ça va, les chargements sont pas trop longs encore, contrairement à d'autres jeux plus récents. Donc c'est cool, on est à l'appartement. Ah, c'est celui-là l'appart. Non, c'est pas celui-là l'appart que je veux. Je veux l'autre appart. Il est où l'autre appart? Ah là, petit chez vous à Night City. Hop. Et un peu plus au sud de ce que je pensais à chaque fois. Bon, je suis désolé pour les temps de chargement. Mais au moins, le concert est en bonne voie d'organisation. Ok, et j'avais vu... Ok, ça c'est bon, faut juste que je change de quête. Hein. Donc ça c'est mon appart, ouvrir. Nouvelle zone, non c'est pas une nouvelle zone. Hein. Ah bah, elle a pas l'air d'apparaître la batte. Voir, faut que je la mette dans l'inventaire. Ah, c'est con, c'est dommage. Alors, Ah, où est-ce que... ouvrir la planque. Alors déjà ça, on va le mettre... Attends, hop. Matraque à deux mains. Hop, on va le ranger. On va ranger tout ça. Et qu'est-ce que j'ai d'équipé? Ah oui, j'ai le pistolet, j'ai le fusil à pompe de Déglago. Ah, le Yukimura. On peut le déposer. Déposer. Ok. Ok, ça. Ah, quoique, le fusil d'assaut. Le Ajax. Ah, ça, c'est quoi que j'ai? Le Chinook. Fusil d'assaut cinétique. Bon, on va tout désirer en tout. Je sais qu'il y a. Que j'ai mon fusil à pompe du Prime. Bah, il est là. Non, fusil d'assaut, il y a la mitraillette. Et il a le fusil à pompe, je sais qu'il est là. Donc sur ce point-là, on est bon. Le katana, c'est celui que je garde, hein, c'est la licorne noire. Je crois que c'est l'arme... ouais, c'est pas l'arme de... Ah, c'est pas l'épée de Geralt encore. Bon, tout ça, on peut déposer. On s'en sert pas. Alors, on vide l'inventaire, tout ce qu'on se sert pas... Je referai un inventaire de... Je ferai un inventaire de vraiment de tout ce que j'ai. Faudrait que je le fasse, faudrait que je me consacre une heure ou deux vraiment à... Et à construire tout ce qu'il faut, tous les plans que j'ai. Ah, la batte n'apparaît pas, c'est dommage, bon c'est pas grave. En tout cas, on a des jolis trucs dans notre planque. Et normalement, on devrait... Est-ce que si on le déséquipe... Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, il faut attendre une journée. Déjà, je voudrais aller dormir. Déjà, on va décider ce qu'on va faire. Alors, journal. Rejoindre River. River War, non. Paname, non. Joindre Judy sur le balcon des Clods au petit matin. Claire Russell, on va faire une course. Hop. Mais avant tout, on va aller dormir un coup. Hop. Jusqu'au lendemain matin, parce qu'il y en a marre de jouer quand il fait tout pour nous. Il y a Silver qui nous regarde. Alors, jusqu'à 8h10. Voilà. Hop. Ok, on est bon, on se lève tranquillement. Coucou Johnny. Il a un truc à nous dire. Bon, il a rien à nous dire. On va aller faire la course de Santa Domingo. Domingo. Comme ça, ça nous évitera. Ça nous fera patienter avant d'organiser le. Le concert. Bon, il y avait une station de métro à côté, bon, c'est pas grave. Mais le métro, il est un peu loin de notre appart. Donc on va aller plus rapide, on va aller appeler la petite voiture. Dès que c'est disponible. Alors hop, je vais rester appuyé. Ah, on a gagné une voiture. L'Apollo de Scorpion, l'Arche de Jarki. Ah oui, c'est de la main ça.
Ok, hop, confirmé. Et la moto arrive. On va regarder à gauche à droite avant de traverser. On va enfourcher, on va prendre la manette. Et on va aller faire la distance qui reste pour aller sur la course. Alors moi je vous dis, mon crush c'est Claire, j'essaie de la romance avec Claire sur ce point. Alors on arrive bientôt. Et on va pouvoir descendre. Hop. Ok, on est à la course, je suppose qu'il faut s'asseoir. Alors ça nous dit d'aller à la course. Ah, appeler Claire. Ok, il faut que j'appelle Claire. Et on va appeler Claire Russell. J'ai pas Claire. Vu à droite. V, prêt pour la prochaine course? J'y suis déjà. J'attends plus que toi. Tu veux utiliser ta caisse ou bien j'amène Beast? Ah, ramène ta caisse. Ramène on va Beast. Voir ce que Beast a dans le ventre. T'as passé trop de temps à briquer ce petit bijou pour le laisser au garage. Ouais, en plus. Ça, c'est bien dit. Puis je crois pas que j'ai des voitures tout terrain. Ouais, j'arrive. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc, on va patienter. On va s'asseoir et attendre. Tout simplement. Ça tombe bien. Il y a un petit fauteuil. Se lever. Et on arrive pratiquement au crépuscule. On va aller parler à Claire. Salut, V. Je vais jeter un œil sous le capot avant le début pour être sûr que tout va bien. T'éloigne pas. On sait jamais. D'accord, tu flippes même pas un tout petit peu. T'as pas peur d'y laisser ta peau? Dans la course d'aujourd'hui? Pourquoi? Je parle pas seulement de celle d'aujourd'hui, mais de la prochaine. Et puis de celle d'après. Une choum à moi est morte électrocutée par son grille-pain parce qu'il merdait. Tu sais, c'est la vie. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est quoi nos chances à ton avis? C'est quoi nos chances à ton avis? Ça va être dur de battre Luigi. Ah, aujourd'hui, il a Luigi, il est très fort. Ouais, alors. On connaît son niveau sur Mario Cette Kart. Il adore crever les pneus. Mais fais pas attention à ce que je raconte. Reste concentré sur la route, je me charge de la musique. Désolé, je veux faire une dernière vérif avant d'y aller. Bah, pas de soucis. Alors, montez dans la caisse de Claire. Bah, montons, hein. Pas perdre de temps. Hop, on va prendre la manette. Si tu veux que tes oreilles elles saignent, j'ai une autre méthode. Ok, place 0 sur 6, point de contrôle 25. Ah, petite course. On va tout droit. On est à quatrième point de contrôle. Oui, on peut gagner, on est premier. Alors je te reparle pas trop, je suis assez concentré. Mais déjà on va finir la course. Par contre on se prend des dégâts. Le truc c'est comme je suis devant en fait. Si je tire en arrière, je suis obligé de mettre la caméra en arrière et je verrai pas la route. Donc on va laisser l'IA se faire tranquillement. Alors ce qu'on va faire,
Je vais finir la course tranquillement. Et on va se reprendre à la fin. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose en cours de route. Mais je pense pas. Et vu qu'elle rentre dans ce temps. Vu que. Ou comment elle tire. Je pense qu'on est tranquille pour le moment. Ils sont loin derrière. Attention derrière, ils essaient de nous dépasser. T'inquiète, je les attends. Donc on arrive à la fin. Ça s'est plutôt bien passé. Malgré que j'ai fait de la merde à un moment. Et on a gagné, c'est le principal. C'est le principal. On a gagné. On est qualifié pour la finale. Ah bah c'est la finale. C'est cool. Avance encore un peu. Pourquoi ? Faut que je te parle. Il y a un truc qu'il faut que tu saches. Ok. Tes confidences. En plus dans un endroit isolé. Ça te dit un peu là-bas ? Bah allons-y, allons discuter avec toi, Claire. S'asseoir à côté de Claire. Donc on s'assied devant un truc nos futurs. Ah, oh, sympa la vue. Ouais. On aimait bien venir ici. Dînez-moi. Ah, tu parles encore de ton mari décédé. T'avais quelque chose à me dire ? Je t'ai déjà parlé de Dean, non ? Mon mari. Oui. Ton pilote, ouais. C'était ton pilote, c'est ça ? C'est le type le plus gentil que j'ai jamais rencontré. On était amis avant mon opération. Il a apporté des jonquilles à l'hôpital. Au nouveau départ, il a dit. Vous avez été mariés longtemps ? 12 ans. Dean rigolait en disant que pour notre 15e anniversaire, il allait me convaincre de me faire poser mon premier implant. Il préparait une surprise. Ah, on n'a pas assez pour ça. Bon, c'est dommage. Pourquoi tu me parles de lui ? Pourquoi tu me parles de Dean ? Enfin, pourquoi maintenant ? Il est mort pendant une course l'an dernier. La finale. Ah, mais d'accord. C'était pas une mort comme les autres. Et ça. Ça a quelque chose à voir avec notre course ? Ça a quelque chose à voir avec notre course ? En quelque sorte. En fait, Dean a été assassiné. Il s'est fait refroidir par une corporaclure appelée Peter Samson. Une vraie ordure. Qu'est-ce qui est arrivé à Dean exactement ? Ton mari. Il est mort comment exactement ? On venait de s'engager dans la dernière ligne droite. Samson faisait fumer le bitume devant nous. On pouvait plus gagner, alors Dean a relâché l'accélérateur. Et cette ordure a pilé devant nous. Dean a dû faire pareil. Il a perdu le contrôle. Mais c'est comme ça que la course marche, non ? Tu piches pas ? Il y avait personne entre lui et la ligne d'arrivée. Il aurait gagné. Il l'a fait exprès. Parle-moi de ce corpo, Samson. C'est qui au juste, ce corpo ? C'est pas important. Pour moi, c'était un adversaire comme les autres. Mais pour Dean, ces deux-là se connaissaient depuis un bon moment. Il s'est passé un truc entre eux ? Dean l'a jamais admis. Mais ouais, on sentait qu'il y avait un genre de tension. C'était plus personnel qu'une simple rivalité. Quand Samson gagnait, Dean devenait complètement fou. Bah, donc c'est pas une simple course. Ok. Alors c'est pas une course comme les autres. Tu t'en fiches de gagner. Exact. Je me fous de gagner. Je veux que Samson meure. Et t'as pas trouvé mieux comme plan pour te venger ? Il y a tout le temps des morts sur le circuit. Personne se posera de questions. Ça sera une course dans le plus grand respect des règles. Et si Samson participe à la course cette année ? Et si Samson vient pas à la course cette année, on fait quoi ? Il rate jamais une occasion de rouler des mécaniques. Il sera là. C'est le champion en titre depuis l'an dernier. Il voudra réitérer l'exploit. Et quelque chose me dit que il y aura pas de romance entre nous deux. Tu veux que je t'aide à tuer Samson ? Et moi dans tout ça ? Dans ces cas-là, je me rabatte sur Paname. Tuer Samson est plus important que décrocher la première place. Si on doit choisir. Désolé de t'avoir menti, V. Oh, alors, allez, on l'aide. Ça te tient vraiment à cœur. Alors ouais, on va lui régler son compte à ce fumier. Merci. C'est important. J'en ai besoin. On se voit pour la finale.
Carrément. À plus, V. Ouais, quelque chose me dit que je pourrais pas faire de romance avec elle. Alors, ça, non. Alors, je pense qu'il faudra attendre la prochaine mise à jour de la course. Ah, Nancy. Ah bah, voilà, justement. Non, je voulais pas rejeter. Je vais appeler Nancy. Ah, lire le message. Salut. Ah, ok, c'est bon. J'ai organisé le concert aux petits oignons, ce soir, au Red Dirt. T'as parlé à Kerry? Il a pas changé d'avis? C'est bon? Non, non, pas du tout. En fait, il est même super excité. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silver End. Et Henry, alors? Il vient toujours pas? J'ai même pas essayé. J'ai pas de temps à perdre avec ce tocard. Bon! Bah, on se voit ce soir. Et t'inquiète pas pour ta gratte. Je me suis occupé du matos. Alors, les machins sont légèrement trop hauts. À utiliser. On peut utiliser quand même. Ah, on peut l'utiliser. Cool. Alors, moi, ça me ferait bien chier de voir des pubs comme ça holographiques dans le ciel. Hein. Sérieusement. Alors, on va quitter tout ça. Et donc. On va prendre le concert, hein, vu qu'on est là pour... Ah, c'est ça. Ah, c'est pas ça. La queue supprime. Ah, c'est ça. Suivre la mission. Hop, et dans la soirée... Donc, il nous faut une voiture ou un point de voyage rapide. Qui en a pas ici. Donc allez, petit tour en voiture. Qui est ici, on va aller jusqu'au voyage rapide qu'il y a sur le chemin. Hein. Hop! On est reparti sur la moto. Et donc, allons choper le point de voyage rapide le plus proche. Bah, qui doit être sur la route, hein. Ah là 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 là. Hop, 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 hop. Okay. Ok, on est bien garé. On est bien garé, c'est le principal. Ok, tu sais que t'as des sièges. Je sais pas si c'est vraiment pratique pour discuter à. Comme c'est vrai. C'est pas grave. Les joies de ce jeu. Donc. Mauvaise touche encore. Et donc le plus près, on va prendre celui-là. Et on va faire le reste à pied. Donc c'est bien, on va faire le concert et on a avancé dans la quête de Claire. Mais plus j'avance, moins je pense que, comme dit, on va pouvoir faire la romance avec elle. Bon, c'est pas grave, on a Panam qui est entre guillemets bien entamé. Je traverse. Avant. En espérant qu'on ait... Est-ce qu'il y a un petit truc de police à faire, une petite intervention, un petit crime qui est repéré. Ça serait sympa. Là, il y a des gens, des méchants, mais... Faut rien de mal, quoi. C'est pas grave. Mais est-ce que si on approche... Bon, en fait, c'est une fête, hein. C'est des gens qui font la fête. Si je passe devant, bah, ils nous disent... En fait, non. Je pense que c'est juste des gens recherchés. Ça se peut. Mais vu qu'ils sont entourés de plein d'autres gens, si je tire dans le tas, ça va mal finir. Oh, je regarde en même temps. Ah bah on a débloqué un point de... un voyage rapide. C'est pas grave. Et donc il est quel... je pense qu'on est dans la soirée, hein, parce que sinon... ouvrir.
Nouvelle zone, le Red Dirt. Parlez à Nancy. Salut, V. V. Salut, Nancy. J'ai quelque chose pour toi. Bon, attends, laisse-moi faire le tour. Je sais pas si tu le sais, mais elle était à Silver End il y a longtemps. D'accord. Merde, deux minutes. Alors. Nancy sait y faire. On devrait lui murmurer Mikoshi à l'oreille et on serait tout bon. T'as pas intérêt à me chercher. Oh, t'inquiète pas. Ok, ça, je pense que ça va être notre salle de concert. Est-ce qu'il va y avoir un mini-jeu ou à la guitare héros? Ok, là, y'a rien à fouiller, y'a plus rien à fouiller. Ah, un éventail. Hop, on prend tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, merci d'avoir organisé ça. Merci d'avoir organisé ce concert. C'est rien. Kerry serait même pas capable de se torcher sans mon aide. Silver End devait être pareil. Pire. Au moins, Kerry faisait ce que je lui disais et me foutait la paix. Tiens, dans tes temps, Johnny. Ah, il y a Denis à côté. Tu peux me dire ce qui s'est passé avec Henry? Si tu me disais ce qui s'est passé avec Henry. Henry, pardon. C'est de l'histoire ancienne. Il se mettait systématiquement dans la merde et je devais l'en sortir. T'as fini par en avoir marre de te salir les mains? Tout le contraire. J'avais réussi à lui dégoter un concert avec un bon groupe. Henry avait arrêté la drogue, il s'était ressaisi. Tout allait super bien. Et c'est là qu'il m'a dégagé de sa vie. Ah, pas très reconnaissant. Il s'est passé quoi après? Ça t'excite ce genre d'histoire? Il m'a largué, il a fait la teuf avec ses nouveaux potes pendant un mois. Après quoi, ils l'ont viré du groupe parce que... C'est pas que ça qui m'excite, c'est du lore, quoi. C'est intéressant. Un vrai déchet. Spomar a même fait semblant de s'évanouir pour que je craque. T'as fait quoi? Je l'ai laissé là. Et j'ai tout fait pour être sûr qu'il me retrouve jamais. Bah, ça a pas fonctionné, hein, apparemment. Comment tu te sens, prête pour le concert? Comment tu te sens avant le concert? Bizarre. Comme si j'allais faire semblant d'être moi-même. Et Johnny est pas là. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il me manque, ce con. Ouais, il t'entend, t'inquiète pas. Ah, comment il fait son fier. Où est Kerry? Où est Kerry? Il devrait pas tarder. Il m'a dit que tu jouais super bien. Ça a intérêt à être vrai, parce qu'il y aura pas de répétition générale. Bien sûr, il faudrait pas décevoir la... Bien sûr, il faudrait pas décevoir la foule. Ouais, c'est vrai qu'on affiche complet, là. Franchement, j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Des pommards. Kerry voulait pas que ça s'ébruite. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. Tu crois que les médias sont au courant? Bien sûr. C'est Chacal. Tu feras mieux de t'inquiéter pour le remplacement d'Henry. M'en ferai plus pour le remplacement d'Henry. Kerry a demandé à Drosine de Cutthroat de nous rejoindre. Je le connais, je l'ai déjà vu jouer. Parce que nous, on a avoir V en nous. Ça va, il se débrouille. Donc on toi, a son... son background. C'est l'heure des cachets. Sois discret. Et si je me remets à cracher du sang? Fais pas une scène. C'est une grosse soirée pour Kerry. J'ai comme l'impression que Nancy pense que je suis pas à la hauteur. Bon allez, je vais aux chiottes, je reviens. Elle a raison. Bon bah... Ouais, c'est la place à AV, hein. Ouvrir. T'es prêt à mettre le feu? Je sais pas si c'est bonne idée. Je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Et tu me dis ça maintenant? C'est de pire en pire. Le concert en vaut peut-être pas la peine. Très bien, monte sur scène. Je vais me poser et t'écouter en saignant des oreilles. Bon, ok. C'est vrai. T'as gagné. Sur ce point-là, ok, prends des cachets. Éclate-toi bien. Bon. On a vu ce qui s'est passé il y a deux épisodes. Hein. Allez. C'est Johnny qui contrôle. Et on va pouvoir ressortir, ouvrir. Bon, on est toujours nous, hein. Ah, je contrôle plus rien. Voilà, vous avez vu, les sous-titres ont changé. Parlez à Kerry. Ah, t'es là. Voilà Drosine, de Cutthroat. Salut, j'adore ce qu'ils font. Toi aussi? J'ai tous leurs albums, j'aurais jamais cru. Relax, que... Choum. C'est une béquille comme toi. Si tu veux parler à une vraie star, c'est à moi qu'il faut parler. Si et arrête de trembler.
crois que je tremble autant que lui. Peut-être même plus. C'est la foule ou c'est moi? C'est la foule qui te stresse ou c'est moi? Je t'emmerde. Toi aussi, tu m'as manqué. On commence le concert. Allons-y. Bon, allez, c'est parti. Ok, bah, concert. Je touche plus à rien. Hein. Allez, c'est parti pour le rock. Il y a quand même beaucoup de gens. Hein. Ah, on peut bouger. On peut pas sauter, on peut pas. Ok, donc on a le remplaçant à la basse. Ah, Denny est à la batterie, Nancy au clavier, et lui, Terry, guitare chant. Par contre, elle est bien shiny and chrome. J'adore, j'adore ce genre de musique. En plus, elle donne bien la chanson. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'étais super nerveux à l'idée de ce concert. J'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. À moi, à toi, je sais pas. Et à l'arrivée, je me suis bien éclaté. Faut que je la trouve cette musique sur YouTube. Alors, les losers disent tout le temps ça, qu'ils étaient juste là pour s'éclater. Ouais, on va rester dans le thème de... Ouais, allez, on les dit ça. Les losers disent tout le temps ça, qu'ils étaient juste là pour s'éclater. Tu te crois toujours meilleur que moi. Et comment? Mais tiens, ça t'aidera peut-être. T'es sûr? C'est gentil, ça, par contre. Toi. Autant Johnny, ça connard, fini, autant là, c'est... C'est moi, sympa ce qu'il fait, là. À jouer. Rendre le cachet et rendre le contrôle à V. Juste à 30 secondes. Voir ce qu'il fait. Ok, c'est cool. Ah, le cachet. Je pensais que c'était le cachet du concert. Non, c'est le cachet. Johnny, il est parti. Hein? Ah oui, lui, il était au courant, c'est vrai. Ouais. Mais il t'entend toujours. Merci. Je suis pas d'humeur à faire tourner les tables
et à invoquer les esprits, là, tout de suite. Oh! Tiens, tu ferais peut-être mieux de le garder. Comment était le concert? Comment c'était le concert? Mega Premios. Samurai a trouvé son nouveau son. Je suis dégoûté d'avoir loupé ça. Bah, tu peux toujours venir à mes concerts. Carrément, ce genre de musique, ça me plaît. Il fallait pas, vraiment. C'est le flingue avec lequel j'ai failli tuer Johnny quand il s'est infiltré chez moi. En gros, t'as failli me tuer, quoi. Ouais, et avant ça... Bon, laisse tomber. Cool! Oh, j'ai l'impression de m'être endormi et de me réveiller 50 ans plus tard. Allez, au boulot! Prends soin de toi, V. On reste en contact. Bah ouais, c'est cool. Alors, c'était pas si terrible, hein? Dommage que Kerry se soit barré. Kerry avait l'air super pressé. Il devait avoir un truc super urgent à faire. Il doit être en train d'écrire un nouveau morceau, là. Et c'est pas ce que tu voulais? Qu'il aille mieux? Mieux, ouais. Mais pas à ce point-là. Johnny, me quitte plus jamais. Je peux pas vivre sans toi. Ça me déplairait pas si c'était un peu le cas. C'est bon? Plus de dernière volonté? C'est bon, plus de dernière volonté? Non. Maintenant, on fait ce que tu veux. Je dois parler à Hanako. Vite. Ok. C'est toi qui choisis. Ah oui, bon... C'est Hanako, bon, c'est vraiment la dernière quête à la fin. Bon bah voilà. Voilà, la quête supprime terminée. Ça c'est cool. Donc on peut sortir de là, mais c'est pas ce qu'on fera la quête. Hein. Prochaine fois on ira voir, on va aller voir jeudi. Alors Claire Roussel. Alors il y a deux, avant de quitter l'épisode, on a deux messages à faire. Il y a des messages à lire. Alors déjà ça, ne plus suivre. Hop, comme ça on n'a rien de vos trucs. On a un niveau supérieur, mais on a des messages de Kerry. Je t'attends. Kerry, t'es où? Ok, ça je pense que c'était le message pour le concert. C'est pas grave. Elle, Samurai concert. Ok, ça c'est bon. Donc on l'a rappelé juste après. Et Claire Russell. V, je voulais juste te remercier pour notre dernière conversation. T'en fais pas pour ça. Je couvre tes arrières, on va assurer, hein. T'es sûr que tu veux toujours buter Samson? On va lui mettre un peu de loot. Oui, ma décision est prise. Merci d'être ouverte à moi, j'apprécie. Merci de m'avoir écouté. Ça représente beaucoup pour moi. À bientôt Claire, ça va bien se passer. Ok. Ok, bah c'est fini en tout cas. Pour cet épisode. Non, je voulais pas l'appeler. Je voulais pas l'appeler. De toute façon, elle répond pas. Donc c'est pas plus mal. Alors, la prochaine fois. La bête en moi. Attendre une journée que Claire. Non, d'accord. Allez voir ce qui se passe. Bon, on va faire les petites, des petites quêtes ici. Je vois qu'il y a Riverward aussi. Elles sont... pour la plus récente. Donc, il faut vraiment que j'aille. Vraiment en... Faut que je parte du bas, voilà. Et ça, c'est un contrat. Un psychopie... Ah, ok. Trouver et neutraliser les cyber-psycho. Ok, on a deux à faire. On va peut-être faire ça la prochaine fois. On va faire les deux cyber-psycho repérés. Pour Regina Jones. Parce qu'en fait, il y a sa quête qui est là. À 7 sur 17. Bon, peut-être j'en ferai un et après on ira à Kabuki. Ah ouais, le ring. Faut que je le fasse. Ça. Trouver les graffitis. Ah, de la main aussi à faire. Oh. Bon, on va faire ça. La prochaine fois, on va faire. Là, je vais faire un cyber. Non, on va faire les deux cyberpsychos. Ils sont pas loin d'un côté de l'autre. Et après, on ira voir de la main. Parce que vu que c'est la moins récente. Dans tous les cas, on va suivre. Dans tous les cas, puis en plus j'ai un niveau super. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous. Et à bientôt.